Bonjour. En l'espace de 20 mois à peine, ce ne sont pas moins de 4 préfets qui ont été en poste dans la région et le Rhône. Pascal Maillot, arrivé d'Occitanie cet automne, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Préfet donc de région et du Rhône. Depuis 5 mois, l'actualité n'a pas été de tout repos pour le représentant de l'État que vous êtes, avec notamment le mouvement des Gilets jaunes qui n'en finit pas. Les conséquences économiques commencent à être lourdes pour les commerçants de la presqu'île. Que faire ? Alors d'abord j'essaie en termes de maintien de l'ordre de préserver autant que faire se peut l'activité au cœur de Lyon, ce qui est le cas, et d'essayer d'éviter au maximum les atteintes aux biens et aux personnes, ce qui est effectivement également le cas quand on compare à d'autres villes en France. La deuxième chose, c'est bien évidemment d'apporter tous les soutiens et les aides des services économiques, services de la Banque de France, de la Direction du Travail. Et puis, vous le savez, le gouvernement a annoncé un plan pour venir en aide aux commerçants en fonction des pertes qu'ils auraient subies. Alors, votre plainte après le caillassage d'un véhicule de police à Lyon a-t-elle débouché sur des interpellations ou des comparutions au tribunal ? Alors, l'enquête se poursuit, évidemment. Hein, des gens ont été interpellés. Et maintenant, évidemment, la justice aura à se prononcer. Alors, on sait qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, les radars sont pour la plupart hors service aujourd'hui et que le nombre de tués repart dangereusement à la hausse depuis début 2019. Est-ce que pour vous, il y a un lien de cause à effet direct ? Alors, dans le Rhône, il n'y a pas cette augmentation que nous connaissons au plan national, puisqu'en réalité, depuis le début de l'année, il y a 15 morts, c'est-à-dire exactement le même chiffre que l'année dernière à la même époque. Ça n'est pas pour autant que nous ne nous préoccupons pas de l'augmentation de la mortalité. Je suis en particulier très inquiet sur deux sujets. D'abord, le partage de la route. Je pense que les différents usages méritent d'être coordonnés. C'est la raison pour laquelle, avec les collectivités locales et les associations, j'ai engagé des discussions. Et puis également l'usage des stupéfiants qui, d'après les services de police et de gendarmerie, sont dangereusement présents dans les blessés, les accidents et les tués. Voilà. Il faut maintenir quand même les 80 km/h sur les routes. On verra ce que le gouvernement va décider après l'issue du grand débat. On a eu plusieurs épisodes de pollution ici dans l'agglomération lyonnaise. Par rapport à Paris, on a eu le sentiment qu'il y a un temps de réaction qui était peut-être un peu plus long, plus lent. Et puis il n'y a pas eu de circulation alternée. Pourquoi ? Alors quand je suis arrivé, il y avait un arrêté cadre qui prévoyait un séquençage, si je puis dire, des différentes opérations, c'est-à-dire à la fois une prévention, puis ensuite au bout de 3 jours, la circulation alternée sur la base de critères. Comme vous, je trouve qu'effectivement, les temps sont un peu lents. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé, en lien avec l'ensemble des partenaires, de revoir cet arrêté cadre pour avoir des temps de réaction désormais plus courts. Et donc, des mesures contraignantes, il faudra s'y préparer plus rapide. De gros dossiers concernant les infrastructures dans cette région, on va essayer d'en évoquer un ou deux. Déjà, la liaison à grande vitesse Lyon-Turin. Est-ce que la guéguerre entre la région et le ministre des Transports est finie ? Tout le monde tire bien dans le même sens ? Tout le monde tire dans le même sens. N'oublions pas quand même que déjà 15% finalement de la partie française des accès sont réalisés. C'est donc un travail tout à fait important. Vous savez qu'également, on a l'espoir d'obtenir 50% de financement communautaire, ce qui veut dire que la part nationale sera moindre de 50%. Et puis on avance bien sur la liaison Dijon-Modane, l'Observatoire du fret et les accès français au tunnel. Donc c'est un dossier qui avance bien. Est-ce qu'on va pouvoir encore laisser longtemps les Italiens tergiverser ? Il n'y a pas le risque que l'Europe finisse par prendre un coup de sang au bout d'un moment ? Écoutez, les Italiens sont en train de faire un bilan coût-avantage. On a tout lieu d'espérer qu'effectivement l'issue sera favorable. Mais ça traîne quand même beaucoup. Ça ne traîne pas puisque tous les travaux qui en réalité doivent être faits du côté français le sont. Donc on ne peut pas dire qu'on n'avance pas. Simplement, il faut maintenant que du côté de nos amis italiens, les choses se poursuivent. Voilà, entre M. Salvini d'un côté et le mouvement 5 étoiles de l'autre. Exactement. Mouvement 5 étoiles qui n'en veut pas et M. Salvini qui en veut bien, lui. Voilà, laissons la chance finalement à ce projet et donc soyons confiants. Un mot sur la 45, le président de la République, quand il est venu là, dans le cadre du grand débat à Valence, a laissé entendre que le dossier n'était pas clos, qu'il était prêt à le rouvrir.
Quoi de neuf aujourd'hui ? Alors en réalité, le gouvernement et la ministre des Transports ont demandé qu'on regarde les alternatives à la 45. Quatre dossiers sont ouverts pour essayer de regarder, à la fois sur le routier, sur le ferroviaire, sur le pont de Givors, comment les choses peuvent être mises en œuvre. Et j'aurai l'occasion, avant l'été, de réunir le comité de pilotage et les chefs, évidemment, de chacun de ces groupes pour voir comment on a avancé. Le souci majeur, c'est comment, dès l'année 2019, on pourra apporter à ceux qui circulent finalement sur ces voies des améliorations concrètes, et tout cela année après année jusqu'à la fin des opérations. Donc quelque chose de concret en lien avec la loi sur les mobilités. Très vite, pour finir d'un mot, la fin de la période hivernale, les expulsions vont-elles reprendre très vite, comme le redoutent malheureusement certains élus, Alors, pense à la maire de Vénissieux. En réalité, il s'agit de deux choses. Nous avons, pendant l'hiver, accueilli 8000 personnes. Il faut retenir qu'à l'issue de la période hivernale, nous aurons des solutions pour 80% d'entre eux. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y aura 20% de personnes pour lesquelles il n'y a pas a priori de solution. 80%, c'est un chiffre extrêmement important, et je pense qu'il y a peu de villes et peu de départements dans lesquels le chiffre sera aussi élevé à l'issue de la période hivernale. Très bien, merci beaucoup Pascal Maillot d'être venu dans la rédaction. Merci, au revoir.